Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2. Et nous en sommes à l'épisode 4 comme d'habitude. Prévoyez un petit truc à boire, un petit truc à manger, une petite collation. Faites-vous plaisir parce qu'on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Et c'est parti, on devait aller dans la toute première ville du jeu. Incroyable, j'ai hâte de voir ce qui va s'y passer. Allez, c'est parti! Nous sommes donc dans notre camp de fortune, je pense que c'est le cas de le dire. Et cagnotte du camp, on est à 15,36$. Je pense clairement que c'est le début d'une richesse incroyable. Je rappelle qu'à l'époque, un salaire, c'était peut-être sûrement 1$, un truc comme ça. Je sais pas exactement, j'ai pas été cow-boy personnellement, mais ça devait voler dans ces eaux-là. Donc 15$ pour l'époque, c'est quelque chose, je pense, de relativement énorme. Ok, donc des munitions, des provisions et des fournitures médicales se trouvent dans le camp. Le niveau de réserve s'affiche lorsque vous êtes près de la cagnotte. Alors, on a une mission juste ici, on a une mission juste derrière et encore une autre là-haut. Donc, on va ouvrir la carte quand même, histoire de voir un petit peu ce qu'on a déverrouillé entre-temps. Regardez tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Ah oui, on a fait du chemin. On venait de là-haut, on était même à peu près dans ces eaux-là, je dirais même dans cette zone-là. Et on est bien descendu en vrai, hein. Pas si dégueu, hein. On a une mission, oh. Oh, on va faire celle-ci parce qu'elle est en ville. J'aimerais vraiment voir ce que ça donne, la ville. Notre camp, il est ici, et là, on a autre chose. Je pense que c'est des rails. On dirait des rails. On verra. On dirait des rails ou une sorte de route, de nationale. La nationale de l'époque. On va aller à Valentine, ça me paraît pas mal. Et il y a un saloon, il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir, sachant qu'on a aussi une mission juste ici, la mission de l'oncle. Jusqu'ici, franchement, les gars, j'ai envie de tout visiter. Alors, il est où mon cheval? Il est où mon valcheux, comme on disait à l'époque? C'est toi? Je peux t'enfourcher? On y va? Non, je peux pas. Le cheval appartient à l'oncle. Ah, ça, c'est pas le mien. J'aurais reconnu. Il n'était pas blanc, tout simplement. Où est mon cheval? Les autres chevaux, ils sont là-haut. Ah, il est là! Je le reconnais entre mille. Bien sûr, mon ami, bien sûr. L'inventaire du cheval. Ok, on y va. On est parti. Vous pouvez ordonner à votre cheval de rester, fuir ou suivre en centrant la vue avec lui, avec L2, quand il est proche de vous. Très, 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 très bien. La ville est par ici. On y va. Allez, on galope. On a enfin quitté la neige. Quelle horreur c'était. Il est conseillé quand même de suivre les chemins. Parce que j'ai vu le ragdoll. Alors le ragdoll, c'est l'effet un peu de... Comment dire? Quand tu vas dans GTA sauter d'une voiture, d'accord, ton corps va faire des choses incroyables. Et il va se tordre de tous les côtés. Ça, c'est le ragdoll. Et il s'avère que quand tu prends un arbre dans ce jeu, tu peux tuer littéralement ton cheval. Et ça, par contre, c'est terrible. Donc on va faire très 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 attention. Écartez-vous! Ah non. Putain, il y a le berger. C'est le berger? Ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive de me faire ça? Vas-y, sauvegarde, frère. C'est le berger, ça? Ah oui, c'est le berger, il y a le chien. Oh, mais c'est tellement ouf! J'ai envie de tuer un mouton pour voir, mais je pense que, à mon avis, je devrais tuer le berger. Oh, c'est incroyable! Dommage, on tuera un mouton plus tard, c'est pas grave. Je voulais récupérer, je voulais voir si on peut récupérer la fourrure, en plus de la viande et tout petit quanti, évidemment. Regardez, putain, c'est magnifique. Vas-y, vas-y, répète ce que t'as dit. Not a thing happens round here without an O'Driscoll saying so. Understand me? Attends. Considère ça comme un avertissement. Vous avez un problème, les Johnson? Calmez le jeu. On va calmer le jeu. Keep going. Ok. Ok, on a calmé le jeu normalement. That's it. Aïe! Ok, c'est parti! T'as voulu test? Allez, ça dégage, hein. Ça dégage, voilà. Ok, toi aussi tu veux te la donner, mon pote? Y'a pas de soucis, Johnson. Oh, bien joué, t'es chaud, toi. T'es plus chaud que ton pote. Oh! Oh! Oh non, c'est gratuit, ça! Oh! Oh, j'ai fait une... Oh, mais c'est incroyable! Cette diversion, les amis! Allez, ça dégage, hein. Quelqu'un avait un problème, peut-être, par ici, non? Vous savez, les amis... Comme on dit si bien, quand j'en ai ras le cul, je me la donne toujours. Voilà, ça c'était... Ouais, c'était un petit coup de catch à l'ancienne, tu vois. Ah, ça existait pas encore, mais c'est vrai que on n'était pas loin de l'inventer. Bon, ils ont voulu faire les choses. J'ai voulu calmer le jeu. Hein. Honnêtement, j'ai voulu calmer le jeu.
je vois qu'on a voulu m'en mettre plein la gueule. Il m'a donné un avertissement, je lui ai montré que c'était qui le patron, tout simplement. Donc je pense que c'est bon. Consommez des fortifiants jaunes pour renforcer vos jauges. Une jauge renforcée peut être utilisée sans se vider pendant une courte durée. Ce tonique renforcera vos jauges de santé, d'énergie et de froid. Mon cheval, on va l'appeler. Quoi? Il est là. Putain, j'ai cru que je l'avais perdu. Putain, incroyable. Incroyable, et on n'a même pas été en ville. Ce chapeau ne peut pas être rangé et sera perdu si vous le laissez au sol. Ok. Très très bien, bon, on va le garder à chaque fois, c'est pas grave, c'est pas un problème. Direction la ville les gars, première ville du jeu, ça me fait extrêmement plaisir. Elle a l'air assez petite, mais il y a un saloon, il y a tout ce qu'il faut pour voir un petit peu les activités et tutti quanti, donc on va voir un peu ce que ça peut donner. C'est parti, et c'est toujours aussi magnifique, magnifique. Ok. Attendez. Hop. J'ai failli tirer. Ok, c'est bon. Votre cheval est sale et son noyau de santé se videra plus rapidement. Brossez-le ou emmenez-le dans l'eau pour le nettoyer. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, on va y aller doucement, on va pas écraser les gens. Je vais là où il y a la quête. Là où il y a le saloon aussi, je suppose, de surcroît, n'est-ce pas? Ok. Les icônes, point d'interrogation, indiquent des missions facultatives. Forcément. Allez! Bah, je suis bloqué, qu'est-ce qui se passe? Ah! Non! Non, mon cheval! Bon! Je suis désolé, Johnson! Ok. C'est parti, on va attacher le cheval. Je suis désolé, c'est parti en couille de ouf, frère. C'était assez terrible. Bon, est-ce qu'on peut le brosser? Comment on le brosse? J'en ai aucune idée, on verra plus tard. Attacher votre cheval lui permettra de se reposer et ses noyaux de régénérer. C'est très très bien. Allez, direction notre quête. Yo! Ouais, je rentre comme ça dans les saloons. Y'a quoi? Quelqu'un veut me tester? Oh, l'ambiance est ouf. Arthur, come over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, you just a toughest teak mountain man. Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey. There he is. Watch where you're going. Take it easy, are you about pal. To kiss that guy and punch him? Oh, and we have our answer. Oh, c'est quoi ce délire? Ça part en couille d'ouf. Ok, vous voulez vous la donner? On va se la donner, mon pote. Mais c'est n'importe quoi, premier saloon dans lequel on rentre, c'est de la courave. Ok. Oh là là, je te mets des patates, frérot. Aïe. Ok, ça c'est beau. Gauche-droite. Oh mais GG, gros, t'es un boss en vrai. Voilà, ça dégage. Hop, on prend toujours le chapeau parce que ça fait super américain. Ok, la vie de ma mère, on va se la donner. Toi, bam. Oh, il a rien demandé. Oh damn. Come here, you little greaser. You're dead. Aïe, mais y'a un mec qui m'a eu par traite. Ok. 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 Putain, il a des côtes solides. Allez, ça dégage. Allez, boum. Hop. Voilà, on est bon. Wow. Oh, tu vas te calmer, mon pote. Oh, mais il est énorme. Ah. Aïe. C'est encore moi qui prends cher. Come on, pretty boy. Pretty boy, you're kidding me. Pretty boy. Ah, c'est le classique, les gars. Passer par la fenêtre du saloon, ça c'est dans tous les bons films. Ok. Come on. Wesh. Tu me prends la tête, littéralement. Ok, ça c'est rien. Ok. Oh, regardez les animations, regardez. Tout
tous les détails autour, c'est incroyable. Bon. La vie de ma mère. Ok. Ok, je peux pas. J'allais sortir le pistolet, je vais pas vous mytho. Putain, il met ma part de ouf. Ok, on va se libérer. Oh, lui, il a des côtes encore plus solides que l'autre. Oh là là là, c'est compliqué. Hop, je me protège, mais ça fait rien. Si jamais, les gars, c'est normal. Ça fait partie, je pense, de ce premier combat incroyable. Mais gros, t'es le boss final de Final Fantasy ou quoi? Ok. Oh putain. Oh! Allez. Allez, Arthur, c'est un demeuré! C'est vrai qu'il a l'air un peu débilos. Voilà, ferme ta gueule. Voilà. Voilà, il m'a sali ce bâtard! Putain, merde! C'est combien ça coûte? Une baisse comme ça, c'est du HM! Please, please, I beg you, stop. Come, sir. You won the fight already, surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Me dis pas que je dois aller nettoyer mes fringues. Me dis pas ça. Mission complete, repos à l'américaine. Maintenez pour les détails, tiens. De nombreuses missions sont disponibles dans le camp et sont représentées par voilà, un logo qui ne ressemble à strictement rien sur le radar. Très bien. Bon, cette mission c'est fait. Je pense qu'on va avancer cette même mission pour ne pas être trop perdu. Et comment je nettoie mes affaires? Mon cheval! Mon cheval est où là? Mon cheval est où? Il était là? Oh! Tu m'as fait peur. On va visiter la ville, ok? Donc, direction mon cheval. Et on va visiter un petit peu la ville. Voir le coiffeur, voir un petit peu toutes les activités possibles. S'il vous plaît, faites un effort. Quoi? Non. Ah putain, la maniabilité. Hop, c'est fait, hein. Je suis descendu, les gars. Ah bah alors là, les gars, vous me connaissez, hein. Sachant que j'ai tous les bugs du monde, ça va être, je pense, extrêmement drôle, toutes les situations qu'on va rencontrer. Voilà pourquoi ce Red Dead 2, j'avais aussi envie de le faire. Il y avait un truc là-bas, il y avait un mec qui gueulait, je sais pas pourquoi il ouvrait sa gueule encore. Peu importe. Ok, on a quoi là? Whisky, d'accord, donc là on a une petite supérette. Ça c'est les supérettes, forcément, c'est le logo d'un petit panier de course. Je vous en supplie, par pitié, soyez généreux, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Tu veux quoi? Oh, c'est toi! Howdy, mister. Well, you're okay. Just full of charity, ain't you? Well, I'm just trying to help where I can, sir. Or interfere.
You would have killed that man. What I do is none of your damn business, okay? Okay, okay. Okay, sir. Let's take the one. Give more! Okay. Please! Prove we ain't a land of savages! Prove we're here for each other! Société de bienfaisance de New Hanover. Ok, ok. Mettez pause pour lire. Bah, y a rien à faire en fait en soi, si. Je vois que je peux juste saluer ou provoquer, donc y'a pas. C'est en donnant, ok, très bien. Y'a pas grand chose à faire. Y'a une boucherie ici. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a là? Pour interagir avec le commerçant maintenant. L2, très bien. On peut vendre des choses ou acheter. Ok, si je fais acheter par exemple. Ok, du bœuf salé, 1,50$, hein, vous voyez, comme quoi à l'époque, ça valait le coup de bien manger, comme on dit. Hein. Très bien. Bœuf salé, ça me paraît pas mal. On va rien acheter pour le moment parce que je crois. Ah, j'ai 34$, pas mal en vrai. Donc ça, c'est le boucher. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Il faut tout visiter, les amis. Hein. Yo! Ouais, je rentre très violemment. Welcome. Ok, donc c'est un hôtel. Prendre un bain. Ah! 25$! Waouh! Ah bah ouais, mais les bains à l'époque, ça coûtait une blinde! Ah non! 25 cents! Ah, oh, j'ai eu peur! Ah, j'étais à 25$, j'ai dit frère, tu veux me brûler. Hein. Ok. Donc, je pense qu'il m'a dit d'aller à l'étage. Et ensuite, il y a une salle de bain. Il m'a dit dans le corner. Est-ce que c'est ça le corner? Ah, excusez-moi monsieur. Hein. C'est pas ça que... Apparemment, ce n'est pas ça. Ok, ça c'est pour aller. Putain, c'est tellement... Il y a tellement de trucs. Tu peux aller partout, c'est un délire. C'est un sacré délire. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas énormément de building à la GTA. Hop, c'est pas ça, évidemment. Et, bah donc, les seuls bâtiments qu'il y a... Autant pouvoir aller dedans. Ah, c'est là, je crois, non? Elle est où, sa salle? La vie de ma mère. J'y retourne. Je vais lui parler à celui-là. Je vais lui parler à cette petite canaille. J'y vais en mode énervé. Il voit bien que j'ai besoin de me laver, putain! J'ai pas écouté ce qu'il m'a dit, c'est terrible. J'ai payé probablement pour rien. Ok. Ah, attendez. Quand il disait le corner, c'est plutôt juste ici, non? Ça doit être juste ici, je pense. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ça me semblait... non? Je dis une bêtise? Yes! C'est bon! Oh! Oh, on va se laver. Le petit plaisir. On se frotte la tête. Allez, on frotte, on frotte, on frotte. C'est n'importe quoi, on peut tout faire. C'est n'importe quoi, voilà, c'est fait. Ferme-la. Acheter un bain spécial pour 50 cents. Oh, oh, oh. Sure. Sounds good. Oh, 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 oh. Good, now don't you worry about a thing. Oh. Vas-y, lave-moi, frotte un peu le dos. Let me know là. If I'm scrubbing too hard, okay? Pas de bavardage. Ouais. Sorry if I don't say much. Just on raconte pas ta vie. Worn out right now. Oh, of course. Frotter le bras droit. Wash somewhere else now. Not a problem. Vas-y, hein, frotte bien. Hop, c'est pas mon bras ça. Hein. Voilà, frotte la jambe gauche. Clean enough for now. Voilà. Tu frottes là? Voilà, frotte bien. Qu'est-ce qu'on s'amuse par ici, dis donc. Et frotter la jambe droite. I reckon that bitch clean enough. Oh là là, mais c'était bien ça, dis donc, à l'époque, eh. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Il vient de se passer un truc incroyable. Ok, sortir du bain. Oh, le petit bisou sur le front. Ça, ça fait plaisir. Petite bouteille. Voilà. Là, je suis propre. Là, je suis beau gosse. Bon, ça, c'est fait, les amis. On va pouvoir se casser tranquillement de cet hôtel. Donc, hôtel pour redevenir propre. C'est plutôt cool. Ça, c'est fait. Il nous reste quoi d'autre à visiter? Il y a encore 2-3 petits trucs là-haut. Donc on va y aller calmement. Déjà, il y a le saloon. Il y a ça. Alors à gauche, je suppose que c'est les soins. Ah non, c'est le... Non, il y a le bureau du shérif.
Ah, docteur, c'est bien ce que je pensais. Ok, et ici, on a quoi? Ah, armurier, très très bien. Donc, la... Ah, mais c'est un pistolet! On dirait une petite aile d'ange. Oh là là, c'est incroyable. Allez, on récupère le cheval. Et on va faire une autre petite mission pendant qu'on peut. Et on va pouvoir s'arrêter là. On aura pris... Ouais, écoutez, c'est mon petit côté cascadeur. Vous me connaissez bien depuis. C'est parti, on rentre à la maison. Et on va continuer... Attention! On va continuer un petit peu la quête. Putain, c'est pas mal. C'est pas mal, je kiffe bien. À droite, il y a un masque comme un carnaval. Je me demande ce que c'est. On visitera un petit peu plus tard, peut-être dans l'épisode prochain. Il y a tellement de choses à faire qu'on peut passer 2-3 épisodes à ne rien faire finalement. Juste se balader, à rencontrer des événements. C'est quand même assez fou, assez recherché. Je sais qu'il y a énormément de choses assez dingues de ce qu'on m'a raconté, mais évidemment pas de spoil. Je rappelle que tout spoil dans les commentaires, j'ai une équipe de modération très solide. Donc ils n'hésiteront bien évidemment pas à vous bannir. Alors faites pas n'importe quoi, gâchez pas tout, ça serait dommage. Juste pour une si petite bêtise, entre guillemets, qui intéressera d'ailleurs personne au final. Oh putain, c'était un ravin, désolé, je me suis mis un petit coup de flip. Ok, mon cheval a pris sa part, direction le camp, je prends des raccourcis si je me permets. Bon, voilà, on est pas mal. Où est le camp? On a quelque chose ici. Ok. Ok. Des coups de feu près du camp pourraient attirer l'attention. Éloignez-vous à une distance suffisante. Sérieux? C'est quoi ce délire? Dépecer. On va dépecer au Kamzer. Ça va être dégueulasse, hein. Je vous préviens. Hop, on commence par ouvrir tranquillement. Ah! Toujours aussi infâme! Ok. Et j'ai de la peau que je pourrais revendre, ça c'est plutôt cool. Et on va le mettre, calme-toi canasson. Il s'appelle canasson encore, hein. C'est toujours le même cheval depuis le début. Et ben voilà, on a une petite peau des familles. On va pouvoir rentrer au Kamzer. Donc on était à côté du camp, s'ils m'ont donné cet avertissement. Donc plutôt pas trop mal. On s'en rapproche. Ok. On va le saluer. Look what the cat dragged in. Ah, calme-toi, Bill. C'est rien, c'est moi, frérot. Ok. J'ai cru que ça allait partir en couille. Réserve. Eh ben, on va attacher notre cheval. Cagnotte du camp. On va... Hop. Dégage-toi, je te déteste. Hop, je passe par derrière. Hein. Putain, mais c'est l'enfer pour se garer, sa mère. Vous ne pouvez pas récupérer tous les morceaux de cet animal car vous n'avez plus de place. Allez, casse-toi. Désolé, cheval. Ok. Il y a un jeu de cartes avec le camp. Tu veux pas partir, là, cheval? On dirait le cheval de Dutch, tellement il est stylé, en plus. Ok, bon, on va laisser la peau ici. Hein. On bat les couilles, c'est pas grave. On verra ce que ça donne plus tard. On va parler à qui? On a notre frérot ici. Aller chasser. Très bien. Ah, peut-être qu'il va me donner un arc pour aller chasser. Réveiller l'oncle. Ok, une nouvelle mission. On a beaucoup de choses finalement. On va chasser les gars. Ça me paraît être une mission pas trop délicate. You wanna go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear, one of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My god. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River? Might take a day or two. Wow! With a break from this place. Oh. Me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. Ah, deux jours! You still ain't replaced Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now, unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him, you could buy yourself a new horse. Put your saddle on him, let's get going.
Okay. Bah c'est parti. Vous pouvez retirer la selle de votre cheval et la transférer sur un autre cheval pour en faire votre cheval personnel. D'accord, enlever la selle. Il y a tellement de trucs à faire. Ok, bon, on va prendre ce cheval qui a l'air juste incroyable. Bon, je l'ai bougé tout à l'heure, il y a à peine 2 minutes, mais il m'en veut pas, les gars. Hein. Les chevaux ont la mémoire courte. Ok. Allez, on va monter dessus. Oh, il est énorme. D'accord, il est énorme. They got a good range of horse tack at the Valentine Stables. Some beautiful saddles. Ce cheval est désormais votre cheval principal et il est indiqué par l'icône de la selle sur le radar. Ok. I remember now, just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there, came back in the next day and he woke up, started right back drinking again. I miss those boys. Jenny too. She had some spot, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell. Mon chapeau! À quel moment je l'ai perdu, ce chapeau? Jenny could never have worked. Oh putain, je crois que c'est quand j'ai fait ma cascade. Oh mon dieu, j'ai plus de chapeau. C'est pas grave, on ira en acheter un nouveau. Does feel a bit like our luck died with them too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. Ah, j'ai oublié de mettre l'argent dans la cagnotte. Oh là là, c'est ça que je voulais faire. Ah mais il y a tellement de choses à faire les mecs, on est perdus quoi. Attends, j'ai récupéré la peau de... Très bien. Tant mieux. Ok, attention, on rentre pas dans les gens, les gars. Si votre cheval est agité, appuyez sur L3 pour le calmer. Il est agité. Voilà, good boy. Ok. On arrive quand là? Il est agité encore ce connard. Vous trouverez votre pur sang. Arôme noir pommelé inversé dans les écuries. Qu'est-ce qu'ils disent? Amenez votre cheval aux écuries. Ok. Ok. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. D'accord, donc je le mets dedans. Je te retrouve ici tout à l'heure, très bien. Ok, j'ai normalement le cheval de mon édition collector. On l'appellera Tempête. J'adore. J'adore la pêche Tempête. For a new horse, something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. Yeah, what about this one here? Yeah, you looking to sell? I sure you. You got papers? No, no papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Débat. Allez, c'est parti. C'est comme un magasin, les gars. Ok. Lorsque vous mettez votre cheval en pension, celui-ci est placé dans une box afin que vous puissiez y accéder plus tard. Si vous le vendez, vous empocherez le prix de vente. Très bien. Donc, $5.20 le cheval, frère. Mettre en pension... Bon, maniement lourd, d'accord. Accélération, ça va. Vitesse, ça va. On va le mettre en pension. Ça, c'est fait. On a Morgan. Ok. Très bien. À $15, le Morgan. Morgan, c'est maniement standard. Par contre, il a pas mal de vitesse en vrai. Il a une bonne accélération aussi. Je vais l'acheter. Ouais, de toute façon, il faut acheter un cheval. On n'a pas le choix, les gars. Donc, au pire. Et je vais l'appeler, évidemment, Tempête, j'ai dit. Tempête. C'est nul. Et puis, au pire, il peut crever. On a rien à foutre. Tempête. Allez! C'est fait! Sellerie et service. Gros, abuse pas, frère. Je veux juste acheter un cheval. Sellerie, sel. Sacoche de sel. Qu'est-ce que c'est? Les gars, c'est trop. Tranquille, respirez. Crinière. On peut lui choisir. Non, mais c'est n'importe quoi. On peut lui choisir sa coupe. On peut lui faire des redlocks. Ok.
petite crête. Non, on va le mettre en mode naturel. Voilà, au naturel, les gars. Il est très très beau, naturel. Belle queue, qu'est-ce qu'on peut faire? On va lui faire une petite queue tressée. C'est la famille. Voilà, on l'appellera queue d'argent. Ok, c'est pas mal. Niveau service, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Renommer le cheval. Ensemble de soins pour cheval, rien à foutre. Ok. C'est bon, je... Bah voilà. You got yourself a deal. On s'attardera dessus durant un autre épisode. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. All right, let's see. So, let's see. Here are your papers. And on me, a new grooming brush. Ah, voilà, on pourra brosser enfin les chevaux là. All right, you. You treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Est-ce que vous savez où on chope le contenu de l'édition collector? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît? Not that much. Ok, montez sur votre cheval. Well, bah, pas de soucis, volontiers. Je peux pas. Hein. Attends, arrête de guider. Voilà. Eh, il va où? Bine ma mère! Il est fou ou quoi? C'était compliqué, hein. Allez, on est reparti! So, what's this lake we're heading for? It's called O'Cray's Run. Up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. But this time, we're doing the chasing. So, how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Jose. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know, but it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcomed back that easy after that long, and you know it. Maybe, but please don't you put that to the test. I never would. Le mec, c'est quand même incroyable. Il a repéré un putain d'ours à un ou deux jours de route. Me dites pas qu'on retombe dans la neige. Me dites pas que c'est celui qu'on avait croisé. Bref, il a repéré un putain d'ours à un ou deux jours de route. Et le mec, il y retourne. Bon, après, je sais pas comment fonctionnent les ours, hein, en soi. J'ai jamais été ours, d'accord. Et j'ai jamais eu un ours en animal de compagnie. Mais je suppose qu'ils traînent toujours dans la même zone, les ours. Ils ont leur habitat naturel. À voir. Bon, ça me fait chier de tuer un ours. J'adore les ours. Mais bon. Faut lui mettre ce qu'il mérite. Il faut bien qu'on survive aussi. Yes. I remember this place, Moonstone Pond. We're going the right way. C'est dingue parce que, imaginez un peu le travail des devs. Ils ont travaillé sur énormément d'environnements. C'est quoi ce mode cinématique incroyable? Ah putain, on est en bas, très bien. Ils ont travaillé sur énormément d'environnements que, en plus, t'ira sûrement jamais. Il y a rien à faire là-haut. Le noyau de votre cheval se vide progressivement pour les remplir. Vous devez le nourrir. Maintenez L1 et appuyez sur R1 pour ouvrir la roue. Très bien. Ok, on va lui donner quoi au frérot là? Ah bah attends, chapeau d'Arthur. Hop, je l'ai remis, hein. Bah les couilles, hein. Finalement j'ai pas envie de le nourrir, hein. C'est trop tout ce qu'il y a à faire, vraiment c'est trop les gars. Il y a la moitié des touches, aucune putain d'idée. Mais tu nous emmènes où là frérot? Je comprends pas. Quel est ce projet? Quel est ce fuc? Attends. Il a déjà besoin d'être nourri. On n'a même pas la moitié de la route si ça se trouve. Où est-ce que tu nous emmènes? Wow! Des lapins, on devrait en attraper un pour le dîner. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber. Un fusil à petit gibier de calibre 22. I've hunted rabbits before, you know. Yes. And obliterated them with a shotgun, if I remember right. Chasser un lapin
Mais putain, c'est horrible, c'est terrible, c'est terrible. Stop, 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 stop. Arrête, arrête, arrête. Ok, incroyable. Bon, on va y arriver, hein. C'est le maniement des chevaux, les gars. Si quelqu'un me dit comment on peut arrêter un putain de cheval en course, ça m'arrangerait. J'ai quoi niveau arme? Pas très intéressant tout ce qu'il a. Inventaire du cheval, il a quasi que dalle. On va prendre un... arme longue, carabine à répétition. On va prendre un arc. Ok, est-ce que quelqu'un voit un animal dedans? Peut-être que je dois rester sur le cheval, je sais pas. Let's go, girl. Ok. Je vois rien, putain. Ah, il est là-bas. Ok, c'est normal, la zone, elle était très bien, très très bien. Ah, on a un lapin. Ça dégage. Ok, lapin tué depuis votre cheval. C'est fait. On fait quoi? Ramasser le lapin. On y va calmement. Vous avez débloqué des défis. Ok. Hop. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je fais quoi avec lui? Dépecer, prendre. Je le prends. Parce qu'il m'a pas dit qu'il en voulait de la peau spécialement. Mettez le lapin sur votre cheval. Très bien. C'est un délire tout ce qu'il y a à faire. Hop. Je l'ai mis à côté, hein. On s'en bat les couilles. Hein. Ensuite, montez sur votre cheval. Très très bien. Et allez voir Ossia. Yep. Allez mon frérot. Good job. Alright. It's getting late. Reckon we should camp here. Sure. Oh! On va monter un camp! Maintenez L1 pour afficher la roue des armes. Appuyez sur R1 pour la roue des objets. Et appuyez sur monter un camp. Ok, on peut monter le camp n'importe où on veut. Incroyable! Pour repartir de jour. Putain, c'est un délire. C'est un putain de délire. Cook that rabbit, then. They're delicious. Ah oui, le lapin. C'est très très bon. Pauvre lapin. Fine by me. Ok, ouvrir le menu artisanat. Très bien. C'est un délire. Gibier naturel, sélectionner gibier nature. Appuyez sur croix pour le cuisiner. Voilà. Et ensuite, on va le manger. Pas besoin d'en cuisiner un autre, je pense. Préparez-en un autre, d'accord, ou quittez le menu. On va en préparer un autre, ça va peut-être charger toutes mes barres à fond. On va le cuisiner calmement. Et on va se mettre sa part. Et je vais le ranger, j'ai envie de le ranger. Voilà, hop. On a un gibier nature déjà cuit, c'est plutôt cool. Ok, allez, on peut arrêter. Quitter. Voilà. Bon, on a appris pas mal de choses dans cet épisode. On va se reposer et on va surtout s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve dans le prochain épisode pour chasser de l'ours. A très vite tout le monde. Ciao ciao. Choisissez l'heure du réveil le matin. On adore. Ici on est des Yes Life, ok. A très vite tout le monde. Bisous bisous. Morning, Arthur. You ready? Well, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. Now tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're